salut à tous, c'est Aginassi, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un unboxing du Sim Magic Alpha Mini. Non bah non, je dis vraiment des conneries les gars, la vidéo elle est déjà disponible et si vous ne l'avez pas encore vue, elle se trouve juste ici au-dessus. Comme ça vous pourrez aller voir directement ce unboxing de ce Sim Magic Alpha Mini et nous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un test et avis de cette basse. Allez, c'est parti les amis. Cette vidéo est sponsorisée par simware.eu, fournisseur officiel de Sim Magic depuis plus d'un an. Et vous pourrez retrouver pas mal de choses, pas mal d'artés comme le Alpha Mini et bien sûr aussi des kits complets. Allez, jetez un petit coup d'œil, en tout cas, ça vaut le détour. Allez, c'est parti les amis, pour vous expliquer un peu plus de cette base Alpha Mini de Sim Magic. Déjà, en premier temps, c'est une base de 10 Nm qui va remplacer également le fameux Sim Magic M10, ne sera plus en production, car il a été remplacé tout simplement par cette base Alpha Mini, qui est le petit frère du grand Alpha qui est juste à côté. Donc cette basse elle fait également 1 ms de temps de réponse, donc c'est vraiment ultra rapide. 40 000 de fréquence de retour de force par seconde, c'est très très bien les amis, franchement beaucoup mieux que pour le M10. Ici grâce à ses 3 CPU tricore indépendants et son cerveau moteur triphasé conçu par Sim Magic, cette basse est vraiment de toute beauté quoi, franchement j'ai rien à dire, c'est vraiment de la bonne qualité. Alors le boîtier est fait en aluminium et comme vous pouvez le voir on a un peu de carbone autour comme pour le Alpha normal. Alors pour les dimensions de cette basse Alpha Mini, nous avons en longueur 16,7 cm et de largeur 11 cm par rapport à l'Alpha qui lui fait 18,7 cm de longueur et de largeur 11 cm. Donc une boîte en aluminium. Son poids à la base fait environ 6 à 7 kg. Évidemment, ici, nous avons les connexions USB pour le brancher sur le PC. Nous avons la connexion d'alimentation. Et ici, sur le côté, nous avons une connexion USB qui nous permet de mettre un shifter, frein à main, pédalier ou faire une connexion directement du volant avec le fil. Et ici, nous avons la connexion pour venir adapter le kill switch, donc qui permet de vous faire le bouton stop. Je vous mets en petite image pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et cela vous permet d'arrêter s'il y a un problème avec votre simulateur ou votre basse. Voilà, d'arrêter tout directement. Ça peut être pratique. Moi, perso, je ne l'ai pas, mais je pense à l'avenir d'essayer de l'avoir. Alors, pour l'empattement de cette basse Alpha Mini est exactement pareil que le M10 et le Alpha. Nous avons les connexions ici qui va se faire au volant pour pouvoir utiliser les boutons, les palettes, enfin tous les programmes qui sont sur le volant directement avec la basse sur le PC. Donc comme vous voyez, nous avons les connexions à l'intérieur de la basse qui vont se connecter directement quand on enfonce le QR dans l'emboîtement de la basse. Beaucoup me demandent comment mettre le QR directement sur la basse. Ben, c'est simple, on appuie, on enfonce, on lâche et voilà, c'est nickel directement dessus. Bon évidemment, il faut le maintenir pour le QR de 50. Mais par exemple, maintenant, si je prends une de 70, il faut tout simplement venir. Et voilà, ça se fait directement. Donc voilà pour l'explication du QR par rapport à la basse. Et voilà les amis, c'est fini pour les informations de cette basse. On va passer directement sur le PC, vous montrer l'article, combien il coûte et comment le commander. Et pour voir aussi comment ça fonctionne sur Alpha Manager. Et après on va faire un petit gameplay sur plusieurs jeux. Allez, c'est parti. Et on se retrouve sur le site de SimWare pour voir le prix de 595 € pour le Sim Magic Alpha Mini. Voilà. Franchement, je trouve que c'est un très bon prix, surtout pour une basse de 10 Nm. Et bien évidemment, on peut retrouver aussi des packs complets Sim Magic Alpha Mini avec la roue GT4 Sim Magic. Donc le prix est de 1099 €, la roue plus la basse. Et vous avez le choix aussi d'avoir la basse avec la roue GT1R ou la GT1D. Et on se retrouve directement sur simmagic.com, je vous mettrai le lien dans la description. Et ici, nous allons télécharger, évidemment, les logiciels pour faire fonctionner la basse, calibrer, retour de force, enfin, etc., etc. Alors, tout simplement, il suffit d'aller dans support, download, et on descend et on va chercher le Alpha Manager V2.20 en anglais.
Parce qu'en chinois, ouais, bah, perso, moi je comprends pas. Allez, c'est parti. Et on télécharge. Hop. Une fois téléchargé, il suffit de l'ouvrir. Et évidemment, ce sera moi en WinRAR que je vais devoir l'extraire. Moi, je le glisse et je le mets sur mon bureau. Et voilà, il est là. Et après, on va l'ouvrir et ouvrir Alpha Manager qui se trouve ici. Et nous voici sur le Alpha Manager, le logiciel qui va nous permettre de régler notre base, les retours de force, les suspensions, l'angle de rotation, enfin vraiment la totale, les accès aux boutons, les mises à jour, vraiment la totale totale. Sans ce logiciel, vous savez absolument rien faire de toute façon. J'avais déjà fait un topo sur ce logiciel par rapport au Alpha, car c'est le même logiciel pour le Alpha que pour le Alpha Mini. Il n'y a rien qui change, c'est complètement le même. Donc on va faire vraiment très vite. Donc ici vous avez vraiment tous les réglages, retour de force, dumper, friction, enfin voilà la totale. Ici c'est Game Effect, donc tous les effets de la game. Vous avez les suspensions, la rotation du volant, moi il est à 900 degrés parce que moi sur e-racing, j'ai pas besoin de le mettre plus haut. Et vous avez vraiment le choix en angle car il va jusqu'à 1600 degrés. Donc voilà, moi perso je l'utilise jamais à 1600 degrés. Généralement moi je le laisse tout le temps à 900. Ici vous avez différents pré-réglages qui sont fournis directement avec le Alpha Manager. Ici Assetto Corsa, le premier du nom, Assetto Corsa Competition, vous avez Dirt Rally, ici c'est Euro Truck, e-racing, voilà, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Une fois que vous avez réglé votre réglage, il suffit d'aller ici sur Save et voilà, vous pouvez ajouter, je ne sais pas moi, test, et hop, vous directement vous enregistrez et il sera ici également, voilà, test. Voilà, rien de plus simple, franchement. Ici, c'est la partie pour les calibrations des boutons, des palettes. Enfin, voilà, comme vous pouvez voir, ici, j'utilise les deux palettes. Ici, encore les deux palettes en dessous parce que ici je suis branché avec la GT4 à 4 palettes. Donc, nous avons accès à tous les boutons. Comme vous pouvez voir, tout s'allume. C'est nickel. Comme ça, vous voyez un peu les chiffres, à quoi correspond. Pour le jeu, c'est un peu plus facile. Car dans le jeu, des fois, on nous demande d'insigner une touche. Et des fois, on est là, c'est laquelle, je ne sais plus. Donc, ça nous permet de voir quel chiffre est relié au quel bouton. On se retrouve dans le système. Ici, on a accès, évidemment, à la version de la mise à jour. Nous avons aussi accès au système stats. Donc ici, vous le voyez bien, il est en normal, il est vert, il est bon, il est propre. Et ensuite, nous avons évidemment les informations de contact, les channels, ça, je n'y bouge pas trop parce que c'est les channels par rapport au volant. Mais moi, je le laisse à 60, comme ça, tout est nickel. C'est très rare quand je viens chipoter ici, de toute façon, à part pour voir la version de ma mise à jour. Et justement, je vais vous montrer comment on fait la mise à jour de cette base Alpha Mini. Donc, il faut aller tout simplement ici. On va rechercher après notre dossier de la mise à jour qui se trouve directement sur le site simmagic.com. On clique dessus, on l'ouvre, on fait download, on attend. Et voilà, une fois la mise à jour terminée, il nous informe que la mise à jour elle est complète. On fait OK, on revient ici dans Stats. Vous voyez bien qu'il n'y a plus de mise à jour, nous sommes à zéro. Il faut tout simplement éteindre la base, attendre quelques secondes, la rallumer et votre mise à jour va apparaître. Il faut évidemment rester dans le Alpha Manager. Du coup, j'allais éteindre ma base. Et voilà, une fois que j'ai rallumé la base, comme vous pouvez le voir, elle est passée à 7054. Donc, la nouvelle mise à jour de cette version de cette base. Et voilà, c'est tout pour le Alpha Manager. Maintenant, on va passer directement pour un gameplay. On va essayer du F1, du Rally, du e-Racing, Assetto Corsa Competition, Air Factor 2. Enfin voilà, on va essayer de vraiment aller sur plusieurs types de jeux. Et bien évidemment, je vous donnerai mon avis complet sur cette base. La différence par rapport au M10 et au Alpha Mini que j'ai pu tester les deux comme ça. Je pourrais vraiment vous dire ce que j'en pense de cette nouvelle base Simmagic Alpha Mini. Allez, c'est parti. À droite, dans droite 4 longs, ferme sur ciel, 40 mètres, droite 3 longs, ferme, dans gauche 3 longs.
lancement, attention de suite droite. Et voilà les amis, après avoir testé pendant 4 jours cette basse Alpha Mini, ben franchement, j'en suis super ravi de cette basse. J'espérais vraiment de revoir ce feeling que j'avais avec le fameux Simmagic M10, mais franchement, le Alpha Mini est complètement différent. J'arrive à avoir un meilleur feeling en tout cas, une meilleure conception franchement de cette basse. Rien à voir avec le M10, on sent vraiment qu'il y a un nouveau moteur et rien que le design franchement du Alpha normal. Franchement, on a plus cette grosse basse de M10 qui était quand même assez grosse. Là, franchement, on retrouve vraiment une basse très fine, très petite et vraiment très belle. L'esthétique de la basse est vraiment très proche du Alpha. Enfin voilà, comme je vous ai montré au début de la vidéo, il n'y a vraiment qu'une petite taille de longueur qui différencie. Mais sinon, voilà, c'est vraiment une basse exceptionnelle. Pour son prix et ses 10 Nm, franchement, ça vaut vraiment le coup de la prendre. Mais franchement, pour ceux qui veulent vraiment débuter dans un direct drive, je vous le conseille. Franchement, pour le prix et pour les 10 Nm, ça vaut vraiment le coup. Je me suis très bien amusé avec. J'ai pris vraiment du plaisir, mais comme jamais. Bon, après, évidemment, ça ne vaut pas mon Alpha, évidemment, de 15 Nm. Voilà, mais ça reste quelque chose de très paisible. Moi, en tout cas, avoir testé le M10, c'est complètement deux basses très différentes. Si c'est juste ces 10 Nm. Bon allez les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura bien plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter soit sur Facebook, Insta ou sur Discord ou par mail tout simplement aussi. Tout est dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de lâcher un pouce pour cette vidéo. Et nous, on se dit à très bientôt pour des nouvelles aventures de Sim Racing. Allez, ciao ciao !